Un peu le contexte politique dans lequel on se trouve, on est quand même en plein dans une révolution, une vraie révolution, puisque ni le cartel des gauches en 1924, ni le Front populaire ensuite, ni le programme commun, ni la gauche plurielle n'avaient jamais réussi à signer un accord dès le premier tour. Voilà, donc aujourd'hui on y est. C'est une grande fierté évidemment pour l'Union populaire. Mais c'est aussi une grande fierté d'avoir réussi ce tour de force et un grand bonheur de pouvoir accueillir à côté de nous, enfin, les écologistes, le Parti communiste et le Parti socialiste. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le Parti socialiste n'est pas dans son entier à nous accompagner. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la Gironde en particulier. Et sur la 12e notamment. Donc on verra bien ce qui se passe. Nous, en tout cas, dans les rangs de la France insoumise, on a respecté les accords nationaux. Donc sachez qu'on avait donc 6 candidats féminines et puis 6 candidats masculins. Je suis la seule femme rescapée de ces accords. Mes collègues, par le jeu du hasard, ont dû toutes renoncer à la campagne. C'est important quand même de le mentionner, parce que voilà, la place des femmes va prendre une importance un peu particulière aussi dans le programme qu'on vous propose. Et voilà, je crois que c'était important de le dire, que c'est beaucoup d'hommes qui restent en place en dépit des accords qui ont été passés. Donc on verra ça le 20 mai, puisque le 20 mai c'est la date butoir pour présenter sa candidature. On verra qui se présente réellement ou pas. Donc l'objectif, c'est pas de taper sur le PS, hein, rassurez-vous, c'est pas du tout mon objectif. On a des objectifs communs depuis très longtemps, enfin, ça fait très longtemps qu'on essaye de travailler avec eux. Il a fallu qu'on soit en position de force pour le faire, c'est parfait, on y arrive, c'est parfait. L'objectif, c'est d'empêcher Macron de nuire et de poursuivre le saccage qu'il a entamé. Le saccage environnemental, donc je vous rappelle que l'État français a été condamné pour inaction climatique par le tribunal administratif de Paris en octobre 2021. Et puis par la Cour de justice européenne aussi, en 2019, on s'en souvient moins. D'un programme de destruction du vivant, de grands projets inutiles et néfastes. On reparlera des bassines de Charente ou de la LGV, qui nous occupe plus ici, et contre laquelle on est tout à fait vent debout. Empêcher Macron de nuire et de poursuivre le saccage social, évidemment. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, en France, les 5 familles les plus riches gagnent autant, sont à la tête d'un patrimoine équivalent à celui de 27 millions de Français. 40% des Français les plus pauvres. 27 millions de personnes ont le même patrimoine que 5 familles. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, je travaille à Saint-Émilion, donc les inégalités, je les connais, je les pratique tous les jours. Alors, évidemment, pas aussi détonnantes que celles-ci, mais tout de même. On peut comparer parfois Saint-Émilion au Brésil avec des châtelains, le LVMH, hein, qui possède Cheval Blanc, qui est présent, donc première fortune de France, Bernard Arnault. Et puis, les travailleurs des vignes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un bouquin Raisin de la misère, et donc qui parle de tout le couloir de la pauvreté comme ça, qui descend du Médoc jusqu'à la fin du Libournais, où on voit des travailleurs des vignes qui sont en dialyse la nuit et qui ne disent rien à leur patron, bien entendu, par peur de perdre leur emploi, et qui se lèvent et qui vont bosser la journée. Voilà. C'est ça la réalité d'un territoire qui n'est pas loin, qui reçoit chaque année des millions de visiteurs qui viennent dans des hôtels de luxe. Ces familles-là, juste pour terminer, pour vous donner des petites images comme ça, pendant la crise du Covid, leur revenu a été multiplié par 3. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait augmenter 4 fois le budget de l'hôpital public avec ces bénéfices-là. Voilà, donc empêcher Macron aussi de poursuivre la privatisation des services et des entreprises publiques. À sa décharge, la privatisation des entreprises publiques, c'est pas lui qui les a entamées, hein, EDF, toutes nos grandes entreprises, tout ce qu'on a hérité du Front populaire est parti en fumée au cours de ces années, mais bon, il fait rien pour arrêter ça, bien au contraire, on a vu la question de EDF, là, qui va bientôt passer aussi. Et puis la privatisation des services publics, comme l'éducation, bien entendu, on en reparlera. Et la justice,
Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de Ruffin, qui s'est fait espionner dans son journal Fakir. Hein. Et puis, en fait, Bernard Arnault a fait un chèque de 10 millions. Et voilà, c'est classé sans suite. C'est une nouveauté. Maintenant, voilà, quand on est riche, on paye et on s'essuie les pieds sur la justice. Donc, on pourrait croire que la liste est longue, mais elle n'est pas terminée, je suis désolée. Mais il va falloir empêcher Macron aussi de nuire et de poursuivre son saccage démocratique, puisque la loi El Khomri, vous le savez, c'est des ordonnances. Donc, il a gouverné tout seul, par ordonnance. Il a gouverné tout seul parce qu'aussi il avait une majorité écrasante au Parlement, donc de toute façon il lui suffisait de dire quelque chose pour que ce soit acquiescé. Donc évidemment, vous le savez, c'est au cœur de notre programme, en finir avec cette 5e République à bout de souffle et passer à la 6e. Et puis empêcher Macron de nuire et de poursuivre le saccage aussi de la laïcité. Parce qu'il y a quand même une grosse question qui se pose. Vous avez entendu qu'il envoie son ministre de l'Intérieur assister à des canonisations. Mais on croit rêver. Enfin, je veux dire, ça plus le nom de son nouveau parti, Renaissance, là on a fait un bond de 4 siècles en arrière, je ne sais pas où on va. Ça me révolte, ça me révulse. Et c'est nous les islamo-gauchistes, hein, attention. Bah oui, quand même. Donc stop. Il faut lui mettre un gros stop. Il faut parler, il faut arrêter de parler. Il faut agir. Le rapport du GIEC nous donne 3 ans. Donc le GIEC, je rappelle, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est pas des islamo-gauchistes, hein, c'est des gens qui savent un petit peu de quoi ils parlent. Mais évidemment, si on veut agir d'un point de vue écologique, c'est totalement antinomique de continuer la course au profit. Puisqu'on a bien vu que, de toute façon, le capitalisme se nourrit des monstruosités qu'il engendre. La crise du Covid en est un très bel exemple, engendré par la recherche effrénée du profit, et qui a profité aux profiteurs. Donc voilà. Donc on va agir très fort. Donc ce que je vous propose, c'est en premier, évidemment, l'urgence sociale. Puisque c'est là qu'est vraiment le problème. Aujourd'hui, certaines personnes de gauche sont en train de s'atermoyer sur la disparition de la social-démocratie. C'est dommage quand même, ça ne devrait pas disparaître. Tandis qu'il y en a d'autres qui doivent choisir entre allumer le chauffage et remplir le frigo, mettre de l'essence dans la voiture pour ne pas perdre son travail. Donc la première des mesures, c'est augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et augmenter le pouvoir d'achat, évidemment. Ça passe par le blocage des prix. Le blocage des prix des produits de première nécessité et de l'énergie, bien entendu. Le retour de l'essence à un prix correct, puisque là encore, hein, on a vu sur les 9 premiers mois, Total qui fait des bénéfices records. Je ne vous citerai pas le nombre de milliards, parce que moi, quand il y a trop de zéros, je me perds un peu. Mais voilà, donc, toi tu le sais ? 9 milliards. Voilà. 9 milliards qui sont reversés aux actionnaires. Hein. Donc, quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, dites-vous que vous payez les actionnaires de chez Total. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir. En tout cas, c'est la réalité. Donc, la création d'une allocation d'autonomie pour chaque étudiant, bien entendu, puisque ça aussi, c'est... On leur doit bien ça, nos jeunes, je crois, parce qu'avec tout ce qu'on leur fait subir, leur permettre d'avoir une autonomie dans leurs études, leur permettre d'étudier correctement. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour qu'ils puissent sereinement se poser des questions sur quel sera le monde d'après et quel rôle ils veulent y jouer. Je crois que vraiment, quand on a 20 ans aujourd'hui, c'est très très compliqué. Enfin, on a tous des enfants et c'est vraiment compliqué. Donc voilà, leur permettre de souffler un peu et d'être serein au moins au niveau de la rémunération. Donc évidemment, la revalorisation globale des salaires, le passage du SMIC à 1 500 €. Alors ça, c'est notre cher Jean-Luc Mélenchon qui a fait monter les enchères. Je dois, pour être précise, vous avouer que pour l'instant, les accords qui nous sont connus, qui nous sont parvenus, c'était 1 400. Hein, voilà, il faut être honnête. Voilà. Mais s'il y a moyen, ne vous inquiétez pas, je me battrai pour les 1 500, il n'y a aucun souci là-dessus. L'abrogation, bien entendu, des lois El Khomri, ça je ne vais pas vous en parler plus que ça, hein. L'hyperflexibilité des travailleurs,
les négociations fallacieuses avec les employeurs, c'est pas possible. La fabrication des salariés jetables, c'est pas pour nous, donc ça, on arrête avec ça. L'amélioration du régime des intermittents du spectacle, parce qu'il faut pas les oublier. Eux aussi, ils ont beaucoup souffert et ils continuent à souffrir. Le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous, évidemment. Pour une retraite, donc pas une retraite en dessous de 1000 euros par mois et pas une retraite pour une carrière longue en dessous de 1400 euros par mois. Puisque cette invention de la retraite à 65 ans, soi-disant, on vit plus longtemps. Mais qui vit plus longtemps? À 70 ans, il y a un quart des plus pauvres qui sont morts. Donc c'est bien, la retraite à 65 ans, c'est super. Ils vont pouvoir profiter 5 ans quand ils sont dans la malades. Donc c'est cruel, c'est inefficace, parce que qu'est-ce que ça permet la retraite à 65 ans? Ça veut dire que les jeunes ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail, et que quand vous avez 60 ans, vous n'êtes pas d'illusion, hein, on vous fout dehors parce que vous coûtez trop cher, et vous finissez votre carrière au RSA avant de pouvoir commencer à percevoir la retraite. Bon, mais ça on n'en veut pas non plus. Et puis c'est complètement injuste. Aujourd'hui, de l'argent, il y en a partout. Il l'a montré lui-même, Macron, hein. On n'a pas eu beaucoup d'efforts. Ça fait 30 ans que Mélenchon le dit. Et là, la crise du Covid, tout d'un coup, il y a des millions qui sortent, qui viennent alimenter. Bon, malheureusement, on n'a pas les bons, hein, puisque c'était une crise sanitaire. Mais on n'a pas encore vu l'argent qui rentrait dans les systèmes de santé, par contre. Mais par contre, partout ailleurs, oui, il est bien arrivé. Donc de l'argent, il y en a. Un salarié, aujourd'hui, produit 3 fois plus qu'il y a 50 ans. Donc, ça ne sert à rien de le faire travailler plus longtemps. Évidemment, sur cette urgence sociale, construction en nombre de logements accessibles et bien isolés. Et puis évidemment, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, parce que ça, c'est pareil, c'est un énorme scandale. La mise en place d'une fiscalité équitable qui prélève chaque foyer en fonction de ses ressources. Et la fin de cette fameuse flat tax, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une taxe qui a été inventée pour permettre à ceux qui payent trop d'impôts, puisqu'avant, l'impôt sur le capital, il était proportionnel aux ressources, en fait, des personnes. Et puis quand même, comme ça faisait un peu beaucoup, ils avaient envie de garder un petit peu d'argent quand même, ils ont fait un plafond en fait, forfaitaire. Donc si on dépasse, eh bien, on prend la flat tax, puis si on est en dessous, par contre, on a le droit de ne pas la prendre, hein. On paye en dessous, bah oui, pas quand même exagéré. Donc on va agir très vite parce qu'il y a plein d'urgences, parce que là, vous pensez que j'ai peut-être terminé, mais pas du tout, parce qu'on n'a pas parlé de la santé. Donc le budget de la sécurité sociale, évidemment, il doit être renfloué. Et avec tous les cadeaux qu'on fait sur les cotisations salariales, patronales, pardon, évidemment, il va falloir en rétablir un certain nombre pour renflouer un petit peu les caisses de la Sécu. On a eu un petit témoignage d'une infirmière de Créon qui disait son mari est cadre infirmier aux urgences de Pellegrin. Et elle nous expliquait que tous les soirs, il rentre et lui dit... S'il te plaît, ma chérie, ne tombe pas malade. Ne tombe pas malade. Pellegrin voulait fermer ses urgences. Il n'y a plus que 2 médecins urgentistes. On est dans une folie absolue. On est allé là tout à l'heure avec Lionel rencontrer aussi un médecin du cabinet médical de Tarragone, hein, qui a bien voulu nous recevoir, parce qu'on parle beaucoup des hôpitaux, on connaît la souffrance des hôpitaux, on connaît l'état lamentable dans lequel sont les hôpitaux, mais il n'y a pas que. Parce que même si ici on n'est pas sur des problématiques de soins qui sont criantes, comme ça peut l'être en Creuse, avec des déserts médicaux terribles, on a quand même des soucis au niveau de la coordination des équipes de soins, en fait, et pour monter vraiment des équipes de prévention. Donc, et évidemment, il y a aussi quand même des problèmes de personnel, de présence des métiers du soin, ça c'est sûr. Donc évidemment, je défendrai le réinvestissement massif dans nos hôpitaux publics, la réouverture des 17 500 lits fermés par Macron, il ne faut pas oublier, hein, crise sanitaire, mais on ferme des lits, c'est logique, le recrutement de plusieurs dizaines de milliers de soignants pour redonner du sens au métier du soin, parce que ça aussi, énormément de gens en burn-out qui ne trouvent plus aucun sens à leur métier, puisqu'ils sont tellement à flux tendu qu'ils n'ont plus du tout le temps de prendre soin, précisément, des gens dont ils s'occupent. Et puis assurer leur sécurité à ces salariés et celle des patients dont ils s'occupent aussi, parce que des fois on se retrouve avec des situations dans lesquelles des aides-soignants sont obligés de donner les médicaments à la place des infirmières, enfin à la place des gens qui sont diplômés pour le faire,
qui se mettent donc en danger avec une charge mentale terrible et qui mettent en danger évidemment les patients dont ils s'occupent. Donc la levée de l'interdiction d'exercer aussi, l'annulation du pass vaccinal, la lutte contre les déserts médicaux, bien sûr, avec une action que j'entends mener auprès des lobbyistes, puisque l'Assemblée nationale semble surreprésentée en médecins et qu'on n'arrive pas à obliger les jeunes médecins à aller exercer dans les déserts médicaux, ce que je trouve complètement lamentable. Au Canada, ils ont réussi à le faire et en plus, il y a des jeunes médecins qui reconnaissent qu'ils n'avaient pas du tout envie d'aller dans la province là où il faut prendre l'appel tous les matins pour déneiger sa voiture. Et puis que finalement, l'expérience a été concluante et puis qu'elle va y rester. Je ne sais pas si vous aviez vu, c'était une émission d'Élise Lucet là, qui parlait de cette affaire-là. Donc ça, voilà, vous pouvez compter sur moi aussi pour me battre là-dessus. Donc l'inclusion et l'autonomie des personnes en situation de handicap par la revalorisation et le versement d'allocations aux adultes, y compris aux couples, puisque vous connaissez aussi, j'imagine, ce scandale-là aussi. Hein. Quand on est marié, on n'a pas besoin d'allocations handicapées, en fait, bien sûr. C'est sûr, pas d'autonomie. Garantir pour les enfants la présence d'une AESH en dehors du temps scolaire, des places en hôpital de jour et en institut médico-éducatif. Là aussi, c'est pareil, des manques de places monstrueux et de personnel. Et puis enfin, et non des moindres, la garantie du droit de mourir dans la dignité. Ce sera aussi quelque chose que je défendrai de toutes mes forces. Donc ensuite, il y a la question des services publics, on en a parlé un petit peu, mais retour à des services de proximité à moins de 30 minutes de transport de nos lieux d'habitation, les trésors publics qui ont disparu, les postes, les maternités, les établissements scolaires d'enseignement général et technique, les gares, enfin bref quoi. Essayer de faire en sorte que tout le territoire soit maillé par des transports en commun, pour pouvoir avoir accès aux services publics. La fin de Parcoursup, qui est donc un des éléments pernicieux de la privatisation de l'enseignement en France, hein, puisque c'est tellement compliqué que de plus en plus de personnes ont recours à l'enseignement privé, c'est beaucoup plus simple. Au moins, on vous propose un prévu clé en main, et puis vous ne tremblez pas comme une feuille à remplir les 17 choix, dont les X premiers seront honorés, sauf si vous avez coché la mauvaise case. Enfin, je vous passe, je pense que vous avez plus ou moins tous vécu ça avec vos enfants. Et puis la gratuité, la vraie, de l'université et des lycées professionnels et des lycées agricoles, puisque vous savez qu'il y a aussi, c'est la région qui s'en occupe, mais il y a un vrai problème avec les lycées agricoles, dont la plupart sont aujourd'hui privés. Et puis assurer un meilleur accès de tous à la justice. Hein. Voilà. Je ne vous reparle pas de Ruffin dont je viens de vous parler, mais il y a des choses incroyables. Donc évidemment, l'enjeu de tout ça, c'est quoi? C'est de répondre à l'urgence écologique. Parce que si on ne partage pas les richesses, il n'y aura pas de bataille écologiste. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas nous s'amuser à trier nos déchets et puis accueillir 60 yachts à Cannes qui polluent comme on va polluer nous pendant 30 ans, même si on sort tous les jours notre voiture. Donc ça, c'est pas possible. Donc mettre en œuvre la règle verte, vous connaissez peut-être la règle verte de l'avenir en commun, ça a été dans le socle qui a été décidé. Donc ne plus prélever sur la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer, et ne plus polluer la nature plus que ce qu'elle peut encaisser en fait. Qu'elle peut supporter, pour parler plus élégamment. Voilà, donc on connaît tous le 7e continent de plastique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, c'est horrible. Je ne sais même pas comment on peut être aussi inactif que ce gouvernement quand il y a des choses comme ça qui se passent, sans compter les modifications du climat, etc. Donc évidemment, stopper immédiatement les grands projets irresponsables, puisque après la fabuleuse A65, où il n'y a jamais personne qui a détruit des écosystèmes et des zones humides par centaines de kilomètres, on a la LGV de Bordeaux. Hein, donc sur la 9e, là, les camarades ils sont hyper mobilisés, parce qu'ils sont un peu plus concernés. Mais je ne sais pas si vous avez vu un peu des images passées sur la vallée du Ciron, enfin,
C'est une abomination totale, cette ELGV, c'est une catastrophe environnementale, comme malheureusement il y en a beaucoup dans le monde. Mais là c'est chez nous, donc on va se battre. Il y a la question des bassines aussi. Alors là c'est plus au nord, c'est en Charente, mais c'est pareil, c'est un sujet très très récurrent. Donc ça ne concerne pas la Circo, mais c'est des choses, c'est des choses qui n'ont aucun sens. Donc réorienter tous les financements vers les trains du quotidien, bien entendu, parce que la LGV on n'en veut pas, par contre des trains, des TER, oui, on en veut bien, parce que ça c'est intelligent, c'est du transport qui ne pollue pas. Et puis ça permet à plein de gens d'éviter d'avoir de l'essence à mettre dans leur voiture. Donc des transports en commun, et puis le fret ferroviaire, évidemment, on se battra aussi beaucoup là-dessus, parce que moi je suis convaincue depuis très très longtemps que c'est aussi la réponse à l'engorgement de nos routes, à tous les problèmes de circulation qu'on peut avoir, au lieu de faire des grands contournements qui viennent encore détruire de l'environnement, et ben remettons du fret sur les rails. Accélérer la conversion des agriculteurs et des agricultrices vers des pratiques qui respectent l'environnement, qui respectent leur santé et celle des consommateurs. Mais évidemment, ça ne va pas se faire avec un coup de baguette magique, donc il faut les accompagner, les financer, puisqu'ils sont dans des spirales parfois complètement infernales, où ils produisent de plus en plus pour essayer de s'en sortir, et de s'en sortir très très modestement. Et puis, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est allé voir un maraîcher à Puy-Barban, voilà, qui nous expliquait, lui, ce qu'il aimerait bien, c'est qu'on l'aide à embaucher, parce qu'il s'est mis à cultiver des surfaces de plus en plus grandes. Ça fait 4 ans qu'il est installé et il se sort 1000 euros par mois, voilà, pour lui et sa famille. Et il travaille 7 jours sur 7, 8 heures par jour. Quand il prend 2 semaines de vacances, il nous a dit, c'est 2 semaines où il ne livre pas. Par contre, il bosse. Bah oui, parce que les carottes, ça n'attend pas. Donc voilà, donc il faut vraiment travailler avec eux pour voir un petit peu comment on peut les accompagner financièrement à avoir des pratiques plus vertueuses qui leur permettent de vivre et puis qui préservent leur santé et celle des consommateurs. Garantir le droit à l'eau potable aussi, ça paraît idiot, mais aujourd'hui l'eau, ça va être un vrai souci, autant sur des questions de ressources dans les nappes phréatiques. Moi, j'ai présidé la communauté de communes du Créonnet, et puis on a fait un plan local d'urbanisme intercommunal, parce que l'État nous a dit qu'il faut faire des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, parce que c'est beaucoup mieux de réfléchir à l'urbanisme avec des échelles un peu costauds, plutôt que de réfléchir chacun chez soi. Moi, j'étais plutôt d'accord avec ça. Puis on m'a dit, mais en fait, vous, sur le Créonnet, vous ne pouvez pas faire des plans d'urbanisme, en fait, parce que vous ne pouvez plus urbaniser, c'est fini, vous n'avez pas de ressources en eau. Ah bon? Mais c'est pas de la compétence de la communauté de communes, en fait, cette histoire-là. Donc, en fait, l'État vient dire comme ça à des territoires, vous allez arrêter de vous développer, de vivre, parce que les nappes phréatiques sont vides. Voilà, vous n'avez plus de ressources en eau. On ne vous donnera pas d'autorisation de forage supplémentaire. Donc vous allez accueillir la population et comment vous allez lui servir à boire? Et ils nous laissent avec ça. Super. Bon, le PLU, il est quand même sorti, donc allez comprendre, hein, avec évidemment l'accord de l'État. Donc, l'eau potable, ça va être un vrai enjeu. L'assainissement, évidemment, et puis l'hygiène aussi, et assurer la maîtrise du cycle de l'eau. Et pour ça, ce qu'on propose, et ce que je proposerais, c'est d'inscrire l'eau, les nappes phréatiques et la protection de l'ensemble du cycle de l'eau comme des biens communs dans la Constitution. Parce que vous allez voir que ça va arriver aussi, la privatisation des nappes phréatiques, on va y arriver, ça c'est sûr. Si on ne fait rien, on va y arriver. J'ai bientôt fini. Mais quand même, il y a encore deux urgences dont je voudrais vous parler. L'urgence démocratique. Puisque l'intervention citoyenne, vous le savez sans doute, c'est au cœur de l'intervention de l'avenir en commun. C'est au cœur de notre projet politique. Donc le passage à une 6e République, j'en ai parlé rapidement, par la mise en place d'une assemblée constituante. Donc là, aujourd'hui, vous m'écoutez, mais demain, c'est vous qui allez bosser. C'est vous qui allez fabriquer les lois, c'est vous qui allez réfléchir. Et je serai immensément fière de pouvoir faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui aura été fabriquée sur ce territoire, à l'intérieur du Parlement d'Union populaire.
Ça, ce serait un grand truc. Donc le référendum d'initiative citoyenne aussi, on va se battre pour ça. Hein, c'est un référendum qui pourra permettre à vous de révoquer des élus qui vous ont fait des belles promesses, comme je suis en train de vous faire là. Et en fait, une fois en poste, ils vous ont complètement oublié. Ce référendum d'initiative citoyenne, évidemment avec des règles, un certain nombre, etc., mais pourra vous permettre éventuellement de révoquer des élus. Et puis de proposer, comme je vous le disais, ou d'abroger des lois au sein du Parlement local donc, qui existe déjà et qui a vocation à continuer évidemment à exister au-delà de ces élections. Voilà. Et j'insiste sur un dernier point, on est pour l'Europe. Parce que j'ai eu ces questions-là sur les marchés. Moi, je suis anglaise, je suis venue là parce que je ne suis pas d'accord avec le Brexit, mais vous, ce qui m'ennuie, c'est que vous êtes contre l'Europe. Mais pas du tout, on n'est pas du tout contre l'Europe. Mais par contre, on est pour une Europe sociale et solidaire. C'est ça qu'on dit. Et simplement, on a un projet social pour la France. Si jamais on est bloqué par des règlements européens, parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est une Europe économique, on le sait tous. Si on est bloqué par des règlements européens qui nous empêchent d'appliquer tout ce que je viens de vous dire, oui, on dérangera. Mais l'idée, c'est d'abord de négocier avec les camarades européens et de voir si on n'est pas tous d'accord pour aller vers le même objectif. C'est bien ça l'idée. Donc, on n'est pas contre l'Europe. On est pour l'Europe sociale et solidaire. Et puis, je vais terminer par la dernière urgence, mais ce n'est pas la moindre, c'est l'urgence féministe. Donc, l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc, l'égalité salariale, déjà. En France, les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes pour un même poste. Et la retraite des femmes est inférieure de 40% à celle des hommes. Voilà. Donc, selon le Forum économique mondial, il faudra attendre l'année 2157. Donc, mesdames, ce ne sera pas pour nous. Pour combler les inégalités de salaire, si on continue à ce rythme-là. Ça fait longtemps qu'on est patientes, les femmes. Agir pour la revalorisation des salaires et l'amélioration des conditions de travail dans les secteurs fortement féminins. La santé, les soins, la vente. Adopter une loi, évidemment, de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes et y allouer 1 milliard de budget. Vous savez, c'est une des mesures phares de l'avenir en commun. Là-dessus, on s'est mis d'accord. Garantir le droit de disposer de son corps, c'est quand même la moindre des choses. Constitutionnaliser et rendre gratuit le droit à l'IVG. Et le constitutionnaliser, parce que ça fait 50 ans qu'on se bat et qu'on redescend dans la rue régulièrement pour maintenir ce droit. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est inadmissible. Et puis développer des foyers d'accueil d'urgence, parce que quand il y a des violences conjugales, qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent la femme qui quitte le foyer. C'est elle qui se fait taper dessus, mais c'est aussi elle qui doit aller chercher un autre lieu pour habiter. Localement, moi, ce que je vous propose, c'est je participerai aux événements locaux auxquels vous jugerez ma présence importante, nécessaire. Je recevrai, je rencontrerai, j'écouterai les habitants dans des permanences décentralisées. Et je suivrai évidemment les travaux du Parlement local. Je me ferai l'écho de vos préoccupations à l'Assemblée nationale. Je serai un relais pour les élus locaux et je les informerai en permanence de mon travail à l'Assemblée. Et je serai une interlocutrice privilégiée pour les institutions et les associations du territoire. En cela, je serai bien secondée par mon député des champs, qui est Lionel, qui va se présenter ensuite. Et à l'Assemblée nationale, évidemment, je ferai ce que font les députés, enfin ce que sont censés faire en tout cas les députés, examiner les textes de loi et déposer des amendements, voter le budget d'État et contrôler l'action du gouvernement. Je ferai des propositions de loi, évidemment. Je contrôlerai, j'interrogerai directement les ministres, peut-être des ministres NUP, pourquoi pas, via les questions au gouvernement, hein, dans l'hémicycle. Et puis voilà. Donc voilà, donc maintenant, moi je vous invite à faire campagne, sans relâche, avec force et conviction, mais je n'en doute pas. Il faut, notre objectif, évidemment, c'est de gagner, il n'y a pas photo, mais ça je pense que c'est facile, on va y arriver. Il faut aller chercher tous ceux qui ont voté Mélenchon, qui reviennent voter.
Il faut aller chercher aussi éventuellement les abstentionnistes. C'est ça votre travail, essayer de convaincre. Aujourd'hui, on leur offre la possibilité, cette alliance, ce regroupement des divers partis de gauche et des écologistes, leur offre la possibilité pour la première fois depuis très longtemps de voter pour quelque chose en quelque sorte, de se faire plaisir. Pour une fois, on ne va pas voter contre quelque chose qui nous dégoûte et qui nous écœure. Donc voilà, je crois que c'est le message qu'il faut porter. Et puis aussi, si on peut aller chercher des gens en colère, qui ont raison d'être en colère, mais qui se trompent peut-être un petit peu de solution. Je disais l'autre fois à la journaliste qui m'interviewait à la radio, le Rassemblement National, à chaque problème, ils ont un bouc émissaire. Nous, à chaque problème, on a une solution. Et je pense que c'est le message qu'il faut essayer de faire passer. Et puis on va y aller.